Frey. Tiens, j'en ai fait un Frey. Double Frey, triple Frey de la part de deux champs. Là, c'était le quatrième Frey. Il se retourne à la destinée. Boum. Là, c'est tout. On va faire foutu de la part. Si tout va bien, c'est quand même notre grand rival qui était Redline avant.
Par ailleurs, c'est aussi devenu notre ancienne structure, donc évidemment on a envie de gagner. Ils se sont beaucoup entraînés pour cette LAN, nous pas beaucoup, ils ont beaucoup plus de préparation que nous. Ils ont beaucoup plus de préparation que nous, donc ça va être difficile. Mais bon, on les a quand même battus tout au long de la saison, on est confiants. Si tout le monde rentre dans le match et que la com est bonne, le niveau est bon et tout se passe bien, il n'y a pas de raison qu'on se laisse surprendre. Donc, après, ça peut être un peu... comment je pourrais dire ça C'est un peu vraiment limite du 50-50, c'est-à-dire que si on ne rentre pas dans le match, c'est possible qu'on se prenne 16-4, 16-5 comme on a fait avec les 4, ce qui est relativement sec. Mais si on rentre dans le match direct, normalement ils n'ont pas de chance. Ok. Ah, le point de frappe, il a été fait, le point de bombe. Ah, maintenant, a été libéré. Shox a carré en main. Il va pouvoir clear le point de bombe. La bombe qui va être posée par son coéquipier. Shox va aller prendre le chantier. Mais la bombe qui vient juste de tomber. Tout le balle de Reclam. Boum, le point de frappe, la part de Shox sur son adversaire. C'était M-Stad qui est obligé de laisser ses coéquipiers en 3 contre 1 maintenant. Shox, il est capable de le faire. Shox, évidemment. Et Shox qui va avoir son adversaire. Boum, il le fait tomber. Donc, 2 contre 1 maintenant. 2 contre 1. Il va pouvoir maintenant faire la lève son adversaire. C'est intelligemment fait. Il va être récupéré par Shock, il va être posé sur le point de bombe A, il en avait un, c'est dangereux pour lui, un verre, il va sur l'adversaire, il l'a vu, il va pas de Shock. You're a sinner that he gave me, a family, a piece of security.